Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission Flash Ado. Aujourd'hui, nous allons présenter quelques nouveautés et événements de ce mois de mai. Pour vous en parler, je suis une fois encore accompagnée de Jeanne. Bonjour. Et Erin. Bonjour. Erin, que peux-tu nous dire pour commencer ? Tout d'abord, un événement très peu connu, la Journée mondiale du rire. Cette fête se déroule le premier dimanche du mois. Cette année, ce sera le 7 mai. On fête cette journée originale en France depuis 2003. Elle a été créée par l'inventeur du yoga du rire, le docteur Madan Kataria. Cette fête consiste à participer à plusieurs activités sur le thème du bonheur. Ce sera à Frontignan Plage cette année. Merci Erin. Achoum ! Oh, non mais Louise, c'est plus la saison. Mais c'est le pollen. Oh. Bon, Jeanne, que peux-tu nous dire pour continuer ? Pour continuer, je vais parler d'un nouveau jeu vidéo qui va sortir en mai, After Us. Dans ce jeu, vous avancerez dans des décors magnifiques en incarnant une héroïne face à une situation alarmante, dans un monde ravagé par une société sans limites. Votre objectif est de ramener de l'espoir. Ce jeu sortira sur PC, PS5 et Xbox Series. Merci beaucoup, Jeanne, j'ai hâte de tester ce jeu. Erin, que peux-tu rajouter ? Je vais vous parler du tome 1 de la BD Sophia, la plage de la chaise rouge. Ce livre sort le 19 mai 2023. C'est l'histoire de deux sœurs, Théa et Sophia, qui ont grandi sur cette fameuse plage. Les deux sœurs sont unies, mais ont différents loisirs. Un jour, Sophia se retrouve propulsée dans un monde peuplé de créatures du cyberespace. Ça donne envie. Jeanne, quoi d'autre ? Un nouveau film va sortir au cinéma le 24 mai, La Petite Sirène. Ce ne sera plus un dessin animé, mais un film avec des vrais acteurs. Il y aura aussi Les Gardiens de la Galaxie 3. Les Gardiens de la Galaxie ? Je croyais que c'était Les Gardiens de la Pharmacie. Ah bah maintenant je comprends pourquoi il n'y avait pas de pharmacien ni de médicaments. Je trouvais ça nul moi. On retrouvera nos sauveteurs de l'univers préféré dans ce film, plein d'aventures. Et il y aura aussi Fast and Furious 10, pour un maximum de sensations fortes. Super, merci Jeanne. Erin, que peux-tu nous dire de plus ? Du 13 au 14 mai à Lille, il y aura un grand salon sur le thème des jeux vidéo et du manga. Il se nomme Geek Day. Le salon est réparti en 4 zones. L'Imaginary World, où vous pourrez plonger dans l'univers de différents films. La Creative Corner, où vous trouverez des stands de tableaux, figurines et photos. Il y a aussi la zone virtuelle et la zone asiatique, qui pourront plaire aux fans de jeux vidéo et de Japon. Ce salon a l'air génial. Oui, j'ai hâte. À toi, Jeanne. Que peux-tu nous dire pour terminer ? Je vais parler de la fête des voisins, qui se déroulera le 26 mai. Cette fête vous donnera l'occasion de rencontrer vos voisins. Vous pourrez peut-être fonder soudainement une forte amitié avec eux. À noter le 8 juin, aux États-Unis, il y aura la fête des amis ou Best Friend Day. Merci Jeanne et Erin pour toutes ces informations et à bientôt pour une nouvelle émission Flash Ado. N'oubliez pas de liker, abonner, commenter, vas-y, liker, de vous abonner.